It was a paradise. Until the Vex came. The Vex replaced the planet's core with their own machines. We call it the Infinite Force. Welcome to Mercury, Guardian. The signs told me you would come. What a coincidence. We followed the signs here too. And by signs, I mean facts. That too is a sign. I am Brother Vance of the followers of Osiris, Keeper of the Lighthouse, and Oracle of the Lost Prophecies. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette toute première vidéo en rapport avec le DLC La Malédiction d'Osiris. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, nous avons pu tester en avant-première ce DLC directement au studio Bungie à Seattle. Donc ça a été une très belle occasion pour nous, un très grand plaisir également. DLC qui sort, je le rappelle, le 5 décembre à 19h heure française. Et donc grâce à cette belle découverte, j'ai pu tester en avant-première, la toute première mission de campagne du DLC qui se nomme The Gateway, donc le portail, traduit littéralement en français. Et donc on va pouvoir parler un petit peu de cette mission un peu plus en détail. Donc je vais vous livrer quelques informations, bien sûr je ne suis pas autorisée comme d'habitude à tout vous dire. Sachez qu'il s'agit de la toute première mission du mode histoire et on va vous mettre un petit peu en contexte histoire que vous puissiez vous y retrouver un petit peu dans l'histoire de Destiny. Alors sachez que depuis toujours, Ikora décrit Mercure comme étant un paradis autrefois avant que les Vex ne remplacent le cœur même de cette planète par leur propre machine. Donc ce cœur, aujourd'hui, est connu sous le nom de la forêt infinie. Et il faut savoir que cette forêt est au centre de tout. Donc cette fameuse forêt infinie, elle est en réalité un passage qui va être constamment en mouvement, en expansion, et qui va vous permettre tout simplement de traverser le temps, passé, présent comme futur, en clair, une sorte de labyrinthe de réalité sans fin, dont a priori personne ne se serait jamais échappé. Vous l'aurez donc compris, nous allons atterrir droit sur Mercure avec, pour compagnie bien particulière, Sagira, qui n'est autre que le petit spectre d'Osiris que l'on a pu apercevoir dans les précédents trailers. Alors Sagira a atterri dans notre univers après avoir été tout simplement envoyée par Osiris à travers le temps afin d'échapper aux dangers qui la menaçaient. Alors il faut savoir qu'un escadron nommé les Suivants d'Osiris, dont Frère Vance que l'on connaît bien fait partie puisqu'il est le gardien du phare et oracle des dernières prophéties d'Osiris, est à la tête. Et c'est donc ce groupe, les Suivants d'Osiris, qui ont trouvé le petit corps du spectre inanimé sur Mercure. Ils l'ont immédiatement rapporté à Ikora, qui nous l'a par la suite confié afin de nous aider à trouver un moyen de le réanimer, mais aussi et surtout peut-être grâce à lui, à trouver une trace de son maître Osiris. Nous sommes donc parachutés sur Mercure et notre tout premier objectif va être de retrouver Frère Vance au phare et de dénicher un portail Vex qui va, si tout se passe bien, nous mener à cette fameuse forêt infinie. Alors d'après Ikora, il faut savoir qu'Osiris aurait déjà trouvé ce portail et qu'il se trouverait a priori non loin de la position sur laquelle nous avons été parachutés. Il aurait donc, entre autres, en parallèle, passé de longues années à l'étudier. D'après Osiris, toujours, ce portail mènerait à la forêt infinie. D'accord, mais comment le trouver? Telle est la question. C'est ainsi aidé d'Ikora, la meilleure disciple d'Osiris, et de Frère Vance, son acolyte et plus grand fan de ce dernier, que nous sommes donc partis à la recherche du fameux portail. Portail que nous finissons par atteindre. Mais voilà, un terrible minotaure du nom de Methodios Module Proxy nous barre la route. Il va donc falloir l'éliminer. Ce dernier, assumant pleinement ses fonctions de gardien du portail, nous donnera donc un petit peu de fil à retordre. Éliminant cet ennemi, nous pouvons alors détruire le module Vex qui bloque la porte et ainsi utiliser le fameux portail que nous venons de dénicher. Donc le portail s'offre à nous, mais en le franchissant, nous réalisons qu'il ne s'agit pas du tout de la forêt infinie qui nous attend de l'autre côté, mais au final du phare de Mercure projeté dans une vision du passé. Nous partons alors à la rencontre de Frère Vance directement dans ce phare au temps où il y effectuait ses recherches. Grâce à notre intervention, le phare est donc maintenant redevenu un endroit accessible, sûr et surtout prêt à accueillir un éventuel retour du grand maître Osiris. On apprend donc à travers cette toute première mission que nous sommes nous aussi, de la même manière qu'Osiris ou les Vex, capables de traverser l'espace-temps. En échangeant quelques mots brièvement avec Frère Vance directement au
phare, ce dernier nous transmet alors des coordonnées. Il s'agit de l'endroit où se trouvent les suivants d'Osiris dans un temple. Cet endroit situé sur Terre est tout simplement un endroit où les fidèles se regroupent. Nous allons donc pouvoir partir à leur rencontre et ces derniers pourraient, semble-t-il, nous aider à réanimer notre petit spectre Sagira. Voilà tout ce que je suis en mesure de vous révéler pour le moment sur l'histoire de Destiny 2 et du DLC La Malédiction d'Osiris. Alors en ce qui me concerne, j'ai pu tester l'intégralité de la campagne, mais je ne suis malheureusement pas autorisée à vous en dire plus. Et c'est bien dommage parce que l'histoire est vraiment très prenante. Elle est très complète, extrêmement originale, très courte cependant, mais je peux vous dire qu'en termes de qualité et d'histoire, nous avons vraiment pour le coup du contenu à nous mettre sous la dent. Alors on va parler maintenant du gameplay, le fameux gameplay que vous avez donc sous les yeux. Vous l'avez vu, nous sommes sur Mercure et l'ambiance sonore, je peux vous le confirmer, est très enivrante. Les sons sont tantôt mélodieux, tantôt énigmatiques, la bande-son est vraiment un énorme plus à ce DLC, comme souvent d'ailleurs sur Destiny. Un très grand professionnalisme a été apporté à l'élaboration de cette dernière et cela se ressent particulièrement au cours de notre progression. Ça apporte vraiment un plus à l'histoire, le son est vraiment quelque chose à ne pas négliger à l'occasion de ce DLC. Alors les décors bien sûr ne sont pas en reste, il s'agit je le rappelle d'un Destiny, donc les décors sont vraiment magnifiques. La planète ressemble d'ailleurs légèrement à celle de Mars pour ce qui est du petit côté sablonneux et rocailleux de cet univers. On retrouve toutefois une très forte empreinte Vex avec la pierre sculptée avec des longues lignes Vex, des colonnes, des tours qui montent avec les roches, des dômes, des portes triangulaires et bien d'autres arcs encore abritant de nombreux portails Vex. Donc on est bien sur un terrain Vex, il n'y a aucun doute là-dessus. Sans compter, bien sûr, les nombreux ennemis Vex omniprésents dans cet univers. Il y a d'ailleurs, petite parenthèse, un tout nouveau type d'ennemis Vex que vous allez être très vite amené à rencontrer. Comme par exemple les descendants gobelins qui possèdent une sorte de tête en forme d'auréole, ou encore la descendante harpie dont les palmes sont cette fois-ci différentes, un peu plus rondes je dirais que les harpies Vex que nous avons connues jusqu'ici. Alors de manière générale, ces nouveaux ennemis Vex sont de couleur plutôt sombre, je dirais même noire, et parfois même des auréoles de fumée les accompagnent, essentiellement pour marquer leur caractère explosif, comme notamment lorsqu'il s'agit des fanatiques par exemple. Alors en réalité, ces Vex sont des Vex particuliers en provenance d'un tout autre temps. Alors on ne sait pas vraiment s'ils viennent du futur ou du passé pour le moment. Alors en réalité, on le sait, mais je ne suis pas autorisée là encore à vous en parler. Et ils sont fortement intéressés par Mercure, l'endroit où visiblement des Vex de différentes époques semblent converger à l'unisson. Donc voilà pour ce qui est du décor, du son. Alors il faut savoir que son et image forment ensemble une atmosphère singulière, très prenante, comme je l'ai dit, propre à Destiny, et il est toujours aussi agréable d'évoluer sur un opus dont les graphismes et l'univers sont vraiment d'une très grande qualité. Ça c'est quelque chose, quoi qu'on en dise, qu'on ne pourra jamais leur enlever. Alors de manière plus spirituelle peut-être, il semble que la planète nous apparaît comme un peu vivante. Alors parfois il faut savoir qu'un son guttural va retentir, vous pourrez l'entendre par exemple à l'occasion de cette première mission. Et une vague lumineuse de sources inexpliquées se produit à la surface, comme si quelque chose vivait réellement en son cœur et tentait de repousser notre invasion, entre guillemets. Donc ça c'est pour le petit côté spirituel de la chose, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Oui, j'en sais plus, mais je ne suis pas autorisée à vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, l'histoire vaut le détour, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'aurais tendance à vous dire que ce DLC vaut vraiment le coup d'être expérimenté. Alors on va parler jouabilité, elle est restée sensiblement la même que sur le Destiny que nous connaissons, le Destiny 2 que nous connaissons. Il n'y a aucune nouveauté à ce niveau-là, je ne vais pas vous mentir, en termes de jouabilité, il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucun changement. Nous avons en termes de contenu de nouvelles émotes, du nouveau stuff dont il m'est là encore bien évidemment absolument interdit de vous parler et ça c'est bien dommage. On n'a pas testé de stuff exotique, hein, je vais vous calmer tout de suite, on a surtout testé du stuff légendaire, stuff que vous avez pu par exemple découvrir à l'occasion de la Paris Games Week en petite partie. Il y a également de nouveaux spectres, de nouveaux passereaux, de nouveaux vaisseaux, bref et heureusement d'ailleurs que nous avons ce nouvel équipement. Tout ce que je peux vous dire également c'est que les équipements contenus dans les engrammes brillent, en particulier ceux pour le Titan, puisque c'est la classe que j'ai jouée essentiellement dans les studios, sont très très sympathiques, visuellement parlant bien sûr.
Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je suis autorisée à vous révéler pour le moment. Alors vous venez d'assister probablement à l'heure où ce gameplay va sortir au tout premier live stream de Bungie. Donc je ne sais pas encore ce qu'ils vous ont révélé à l'occasion de ce live stream. Il est fort possible qu'ils aient révélé des informations que je n'ai pas été autorisée à révéler dans ce gameplay. C'est un petit paradoxe, mais il est possible que cela ait eu lieu. Donc il y aura peut-être probablement à la suite de cette vidéo une petite vidéo correction ou rajout d'informations si jamais des informations ont été divulguées à l'occasion du live stream et n'ont pas été divulguées dans cette première vidéo. Il s'agit surtout uniquement de découvrir ensemble la toute première mission, The Gateway, et de vous livrer mes premières impressions comme je viens de le faire au sujet de ce DLC. Alors restez bien connectés sur la chaîne puisque très prochainement, le 21 novembre à 21h pour être précise, nous allons pouvoir vous révéler du gameplay beaucoup plus détaillé de Mercure. Nous allons pouvoir explorer ensemble le phare de Mercure, le nouvel espace social, mais aussi la planète Mercure en elle-même, les différents événements publics qu'elle contient. Alors nous n'avons été autorisés à n'en tester qu'un seul, malheureusement, mais nous allons pouvoir découvrir ensemble tout cela le 21 novembre prochain à 21h directement sur notre chaîne. Donc j'espère que ce premier aperçu du DLC La Malédiction d'Osiris vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir dans les commentaires. J'attends vos retours, vos premières impressions. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce DLC. C'est pas du pipeau, pour ma part, j'ai vraiment apprécié ce DLC, il m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Maintenant j'espère, et là je vais pas vous mentir, j'espère que la durée de vie du jeu sera au rendez-vous, mais pour ce qui est de la petite info, personnellement en étant solo, j'ai achevé la campagne du jeu en moins de 2 heures. Donc voilà, ça c'est ma petite déception. Je pense qu'en termes de longévité, on va être assez déçus de manière générale sur ce DLC. Mais après, comme je vous l'ai dit, la qualité et l'histoire, le fond et la forme sont vraiment, vraiment au rendez-vous. Donc voilà, ça s'appelle La Malédiction d'Osiris. Je le rappelle, ça sort le 5 décembre à 19h. Sur ce, je vous laisse les amis. Prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde. This is easier to get to than their old place. That's for sure. Thank you. I don't know what I would have done if Osiris hadn't sent you to me. In return, the followers of Osiris can help you revive his ghost. We have a hidden temple on Earth. Take Sagira to these coordinates. I will notify the followers that you are coming. Now that the lighthouse is safe, we can prepare for Osiris's return. All of the lost prophecies are coming to pass. I'm finally going to meet Osiris.